Nouvelle vidéo sur Goat Simulator, quoi? Oh putain! Bon. Alors aujourd'hui c'est un tuto comment devenir géant ou minuscule sur Goat Simulator. Vous allez voir cet endroit. Voilà. Non, beau bestiaux. Je vais vous faire une comparaison avec notre normalement la taille de notre chèvre. Notre chèvre normalement fait la taille de l'autre. Dégage, je n'ai pas la reine. Merde. Ou autrement on peut faire plus. Avec ça. Bon, là, ça c'est sa taille normale. La taille hyper évoluée. Wow. Je vais détruire la planète Terre. Soit on peut devenir grand comme ça, ou... Oh putain. D'accord. Ou soit on peut... Adieu mon cœur. Non, là je suis normal. Soit on peut devenir minuscule. Du coup, attendez, je vais juste faire un test qui peut être drôle. Voilà, alors la chèvre glace. Vol, mon petit. 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 Ah, non. Là, je suis un petit. Là, je suis tout petit, je peux faire ce que j'ai envie, je peux même courser la voiture. Mince. Toi le chef. Attendez, je vais toutes les activer, vous allez voir, ça va être bon. Vous allez voir, ça va être le bordel. Juste enlever.
5 en plus grand. Là, je suis prêt. Je suis go. Mais bon, vous ne savez pas encore ce que je vais faire, ma chèvre. Ouais. Bon. Par contre, on vient de avancer, mes fidèles goats. Ah, PS4, elle a du courage. Regardez cette gueule de la chèvre là. It's a trap. Bon, je vais devoir nager maintenant. Merci hein. Non mais pour l'instant je peux rien faire car ce sont eux qui veulent descendre. Oh, vous voyez ces beaux FPS qui ont disparu. Attendez. Hélicoptère.
Thank you.